111e Tour de France, qu'est-ce que tu penses du parcours de cette année ? Il est inspirant, ouais, il y aura des ouvertures, quand il est dur comme menu proposé, je pense que les grosses équipes de leaders vont laisser des ouvertures. Donc j'ai déjà des petites idées, on va bien le décortiquer avec la direction sportive. Et je pense que l'équipe Total Energy a des atouts pour aller chercher une belle victoire d'étape. Elle nous manque depuis quelques temps et ça m'inspire bien, peut-être même plus que l'an dernier, où nous avons frôlé deux fois la victoire avec deux deuxièmes places. Un parcours plus difficile que l'an dernier pour vous ? Oui, plus difficile à gérer, beaucoup de longueur, pas beaucoup de pourcentage, mais des cols très longs, assez longs. Donc des équipes vont être constituées en fonction du parcours. Et à mon avis, en dehors des deux ou trois plus grosses équipes, il y aura des ouvertures où l'équipe Total Energy doit s'engouffrer. Enfin, c'est tout chaud, c'est à l'instant, et on va en parler avec Benoît Genoso et la direction sportive pour échafauder quelque chose avec une présélection assez tôt. Voilà. Forcément, l'objectif, ce sera une victoire d'étape pour l'année prochaine. Bah, on pense à Steph Crass aussi pour le général, qui n'a pas eu de chance. On pense à Mathieu Burgodeau, qui aimerait transformer toutes ses deuxièmes places en première. Oui, on a une équipe un peu plus homogène l'an prochain, donc voilà, le menu qui nous est proposé me plaît. Voilà, on rentre dans un restaurant, le menu nous plaît, celui-ci me plaît beaucoup et il est inspirant. Cette arrivée à Nice, ça change quoi par rapport à d'habitude, l'arrivée aux Champs-Élysées ? C'est plutôt la soirée historique quand on se retrouve tous ensemble, mais non, Nice, on a des bons souvenirs à Nice. Ouais, ça va être particulier, disons que ça va être une expérience unique et on aura la chance de la faire.